Mesdames, messieurs, représentants du jury, un joyeux bonsoir au nom du chœur Joie de chanter de Brusson. On va faire une présentation rapide de l'histoire du chœur, qui est né en juillet 2013 grâce à la volonté et à la passion d'un groupe de chanteurs et de son directeur, qui ont voulu créer un ensemble désireux de transmettre l'amour pour le chant et l'unité, valeurs qui sont en train de disparaître dans la société moderne. Le chœur se compose de chanteurs de la vallée d'Ayas et ailleurs. Nous avons le plaisir d'accueillir des chanteurs d'Ost, Arnat, Issogne, Châtillon et Nusse. Le répertoire du chœur est lié à la chanson populaire, sacrée et profane, comme vous pourrez l'écouter ce soir. In Trentino è nata questa canzone molto originale. Un innamorato aspetta alla fontana per rapire la sua bella, ma nonostante ciò che tra essi è trascorso, lei non partirà. Preferisce farsi monaca, o meglio, adescare tutti e essere di nessuno. Ecco a voi, a mezzanotte in punto. Le charme de l'amour qui s'éveille parcourt cette agréable chanson dont la mélodie coule joyeuse et insouciante, telle l'eau de roche. Sur texte et musique de Cerruti, chanson d'amour. Ma douceur.
La chanson que nous vous présentons maintenant, c'est un morceau gai, frivole et drôle. Il nous raconte les effets du vin après quelques verres de trop. Nous vous laissons imaginer. Pour vous, sous l'arrangement de Michel Gentilhomme, suivons tour à tour. Narra che un insetto rubasse l'ombra a chi non rispettava la natura. Privati così della propria anima, gli uomini si ammalavano. Solo con la musica ed il canto riuscivano infine a riaverla e a vivere felici. Questa è la leggenda. La realtà, invece, è che nel 1977 Branduardi compone questa canzone, il testo elaborato dalla moglie, Luisa Zappa, che tuttora, insieme alla Fiera dell'Est, è uno dei capisaldi della produzione del maestro di Cuggiono. Ecco a voi la pulce d'acqua. Thank you.
Perdonare, e la croce, 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 la croce